Nous avons activé le système de sécurité au niveau maximum. Toutes les issues, entrées et sorties sont sécurisées. Séquence d'autodestruction enclenchée. Tout le personnel dans la zone grise immédiatement. Séquence d'autodestruction enclenchée. Tout le personnel dans la zone grise immédiatement. Natasha! Natasha! Détruire Mantera. Je la veux. Et je veux que tu t'assures que cette chose en métal ne puisse pas sortir de ce bâtiment. Objectif en cours de destruction. Procédez à évacuation d'urgence. Procédez à évacuation d'urgence. 2 minutes avant fin d'évacuation. 2 minutes avant fin d'évacuation. Nettoie-moi cette merde. Le prototype Mantera a été détruit selon vos instructions. Avez-vous les données? Oui. Je pars pour Dubaï ce soir, comme vous l'avez demandé. Ils vont vous pourchasser. Avez-vous démonté l'unité primaire? Oui. Et je l'ai envoyée. Mais qui va la recevoir?
le destinataire parfait. On va vous défoncer! Vous avez aucune chance! J'en ai eu un, regarde! Gagner un paquet de pognon, c'est mortel. Regardez ce qui se ramène en poussette. Une bécane de bonheur. Tu dois te faire un paquet de meufs avec ça. Salut. Sa sœur, ouais. Et sa mère. Ouais. Salut. Joli coup. Merci. Au sol avec les crottes de chien. Toi, tu restes là. Allez, on se casse d'ici, les mecs. Allez, amène-toi. Mais il faut retrouver les données. Ils vont bientôt finir par le découvrir. Dès qu'ils l'apprendront, on est mort. Il faut tout faire pour ne pas le dire à Kanisawa. Ne pas s'énerver, c'est comme ça qu'on échoue. Notre problème premier, c'est de retrouver Natasha. Comment on fait? On est mort si le seigneur Kanisawa s'en rend compte. Assure-toi que les hommes font le travail proprement et tout se passera comme prévu. Et pour Kanisawa... Laisse-moi m'occuper de ça. Communication en attente. Seigneur Kanisawa, c'est toujours un plaisir. Assez. Vous mettez trop de temps. Où est Mantera? Qu'entendez-vous par là? Silence. J'ai appris qu'elle avait été détruite. Mon armée attend toujours le prototype. Nos alliés commencent à s'impatienter. Je comprends. Nous savons que le docteur Pushkin est à Dubaï. Nous avons envoyé nos meilleurs hommes là-bas. Et dans peu de temps, le prototype de l'exosquelette sera entre vos mains. Vos paroles ne sont que du vent. Je veux des résultats et je vous rappelle qu'il n'est pas dans votre intérêt de décevoir la Légion. L'heure d'accomplir notre mission est de plus en plus proche. Et je vous conseille d'honorer votre contrat dans les temps, si vous voulez rester en vie. Fin de transmission. Hé, Patrick. Oui. La cible est en mouvement. D'accord. Ne la laisse pas filer. Reçu. D'accord, reçu, je m'en occupe. Attention, il nous la faut vivante. Reçu. Non, non, merci.
Hey, ça va pas, non? Ne dis rien au petit Maddox. Pas pour l'instant. Oui, colonel. Merci, Maddox. Terminé. La poste. Y a quelqu'un? Azman Bin Ali. Oui, c'est moi. Un paquet à votre nom. Une signature. Vous avez encore gagné un tournoi, hein? Voilà. Il y a tout un paquet de cartons dehors. Je les ai déposés en bas de l'immeuble. Je m'en occupe, ça va. Thank you.
Oh, ça me dérange pas de péter ma camionnette, mec, mais ces trucs-là, c'est beaucoup trop lourd à monter. Ouais, bien sûr, je comprends. Pour ce genre de truc, je vais payer $5. Ouais, c'est cool, je te ferai, promis. La semaine prochaine, ok? Allez, s'il te plaît. Tu me connais, non? Tiens, regarde, c'est Kevin. La semaine prochaine, promis, je te paie. Pas d'embrouille. Kevin! Il conduit toujours cette vieille roue. Hey, Asman! Hey! Mon pote, alors, ça roule, mec! Eh ouais? Yo! Hey! Salut, mec. Promis. Kev, j'aimerais bien que tu me files un coup de main. La vache, c'est à toi ces trucs ? Ouais, je les ai reçus. Bah merde, c'est quoi ? Hein ? C'est quoi ? Eh bah, à toi de me le dire. C'est arrivé par la poste. Pas d'expéditeur, que dalle. Tu m'as jamais dit que t'avais un oncle milliardaire, enfoiré. Regarde. Regarde. Quand j'ai mis ce casque sur ma tête, j'ai vu des plans de montage. Quoi ? Comme s'il m'apprenait à monter tout ça. Tous ces trucs. Ok, le problème, c'est que c'était flou, difficile à comprendre. C'est pour ça que j'ai pas pu monter les pièces. Et c'est là que tu interviens. T'es le meilleur mécanicien. C'est clair. Prouve-le. Cette moto! Hé, hey, mec! Elle a un nom. Mantera. Mantera? Man. C'est pour moi. Terra, la grandeur. C'est aussi pour moi. Moi, j'ai construit cette machine. Ouais. Et tu l'as fait pour moi. Où est-elle? Juste là. Elle est avec vous? Je la vois d'ici. Une pauvre petite biche en défense. Nous avons toutes les raisons de penser que Mantera est intacte. Assurez-vous-en. Eh ben alors, on fait dodo? Donc, c'est ça le docteur dont tout le monde me parle. Le docteur. Natasha Pushkin. Elle est belle. Monsieur Weston, vous cherche partout. Elle a sûrement gardé les données quelque part. J'ai besoin de savoir si je dois la tuer maintenant. Non, 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 non. Je veux qu'elle parle un peu avec vous. Elle a mon robot et je le veux. Nous pensons qu'elle possède encore les données du projet Mantera. Et ça ne doit pas tomber dans de mauvaises mains. Alors, au travail. Bien reçu, je m'en occupe tout de suite. Messieurs, vous avez fouillé dans ces affaires? Je vous l'avais demandé. Comment avez-vous oublié de le faire? On l'a fait, je vous jure. On n'a rien trouvé. Au pied. Sale crétin. Hey, dis-moi, est-ce que tu crois que tu as reçu un paquet qui appartient à tes voisins? C'est bizarre que ça soit arrivé en kit. C'est pas normal, ça. Hein? C'est super bizarre. Hé hey ! Je devrais déjà être en classe, là. Allez, on se voit après les cours ce soir. Ciao ! Salut ! Asman, tu dois me promettre que tu vireras ce truc du labo avant 5 heures. Personne ne doit l'avoir, d'accord ? Ouais. Ouais ? Et encore merci. C'est pour cool. Toi. T'inquiète, t'es mon pote. Tu promets ? Promis. Parole !
désolé. Hey, attends. Laisse-moi t'aider. Merci, c'est gentil. Azman. T'as les mains toutes crado. Oh, je sors du labo, alors j'ai un peu de cambouis. Oh. Bon, eh ben, je m'appelle Dina. Robotique ingénierie, et c'est l'heure de mon cours. D'accord? Bon, eh ben, encore merci. Bye. Salut. Oh! Et de l'eau. Oui, tout de suite. Ça marche. Oui, on est pressé. Excusez-moi, monsieur, mais on a détecté Mantera. Elle est en Malaisie. Nous triangulons le signal pour trouver l'adresse exacte. C'est pas vrai. Mantera n'est activée que quand tous ses circuits sont branchés. Quelqu'un a dû assembler Mantera. Et c'est pas Natasha. Messieurs, je crois que nous avons un problème. Le truc, c'est que si on peut la voir, la Légion Noire va la voir aussi. Et ça ne fait pas nos affaires. Pas la peine de vous faire un dessin. Ils vont peut-être la voir. C'est possible. Mais peut-être pas. Et puis ça montre enfin que le prototype fonctionne. C'est peut-être notre meilleure chance. Tu l'as oublié. J'avais l'intention de te l'envoyer. Tiens, il faut que je me sauve. Où est-ce que vous m'emmenez? Lâchez-moi. Entre là-dedans. J'ai plus rien.
les données. Où elles sont? Unité 3, confirmez les cibles. Cible confirmée. Unité 2, action. Dis-moi où elles sont. Les données. Dis-le-moi. On est entré. Vous avez Pushkin. Négatif. Non. Mission compromise. Nous avons perdu Pushkin. Les hommes de l'Alliance l'ont volé. Yo! Ça roule, mec? Salut, Kevin. Il y a un truc dont il faut que je te parle. Un truc pas normal. Ben, quel truc? Un truc vraiment... vraiment super bizarre. Bizarre? T'as roulé une pelle à Dina? Tu penses vraiment qu'à ça? Hé, hey, mec, regarde! Est-ce que je peux venir? Ouais. Mec! Ouais, bien super. Sûr. Asman. J'ai... quelques questions. Je suis venue parce que... j'y ai pensé encore et encore et... Tu voudrais que je passe t'aider à bosser? Non, non, non. C'est pas pour ça. Je voudrais te demander... pour hier. Pour hier? Il y a un blème? Non, c'est à cause... de l'accident. Voilà. Ah, tu t'es pris un Kingston? Dis-moi comment tu fais. Allez! Oh. Le robot! L'armure! De quel robot tu parles? Ouais, quel robot? Le robot de la moto. Je suis pas idiote. Asman, elle s'est transformée en robot sous mes yeux. Tu peux m'expliquer comment ça marche? Montre-moi. C'est bon, mec. T'es entre amis, là, montre-nous. C'est bon, je vous montre. Poussez-vous. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. Oh. Oh, bonjour. Vous avez fait un sacré somme. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Vous êtes qui? Juste une minute. Marina, le docteur Pushkin est réveillé. Où on est? Détendez-vous, vous êtes à l'abri. On vous a donné un sédatif. Qu'est-ce que je fais ici? Calmez-vous, restez allongés. Vous êtes en de bonnes mains. Vous êtes en sécurité, docteur Pushkin. De quoi? En sécurité? Avant d'être assommé, on m'a menacé avec un pistolet. Je refuse de vous faire confiance, c'est clair? Croyez-moi, si nous voulions vous tuer, vous seriez morte. Docteur Pushkin, vous devez nous faire confiance. Vous êtes protégé par l'Alliance maintenant. Pourquoi vous me cachez? Bon sang, qui êtes-vous? Ils sont prêts à la voir. Merci.
Le colonel vous attend. Il répondra à vos questions, venez avec moi. Où sommes-nous? À 20 km au nord de Dubaï. C'est quoi cette technologie? Vous aurez vos réponses bientôt. Veuillez me suivre. Colonel, vos chaussures, s'il vous plaît. Docteur. Colonel, pourquoi je suis prisonnière ici? Je suis une scientifique. J'exige qu'on me réponde. Qui êtes-vous? Et pourquoi je suis retenue ici en otage? Au contraire, docteur Natasha Pushkin. Nous vous avons libéré. Allez-vous-en. Comment vous connaissez mon nom? Nous garantissons votre sécurité. Et nous voulons protéger Mantera. Comment savez-vous pour Mantera? Nous vous avons eu à l'œil. Et Weston aussi depuis un bon moment. En particulier quand vous, en tant que directrice, avez programmé un virus dans Mantera. Venez avec moi, je vais vous montrer une chose. Salam alaikum. Venez. Au fait, je suis le colonel Eman. Nous sommes en plein cœur de tout notre complexe. C'est ici que la plupart de nos secrets vous attendent. C'est incroyable. Le Vega DX3 et Mantera C1. C'est impossible. Attendez que je comprenne. Êtes-vous un genre d'agence d'espionnage industriel? J'ai créé tous ces modèles, ils sont à moi. Ces prototypes appartiennent au Weston Tech Lab. Oui, c'est vrai. Ils ont le même design que les vôtres et aussi les mêmes plans. Comme je l'ai dit, nous vous avons surveillé. C'est vous, les mails? Le colonel Eman. C'était vous qui me mettiez en garde contre Weston Tech. Vous disiez qu'ils allaient utiliser Mantera à des fins personnelles. C'est vous qui m'avez dit de détruire le prototype. Venez, je vais tout vous expliquer. Nous, l'Alliance de Lumière, avons reçu la mission sacrée de surveiller la Légion Noire. Jusque-là, nous avons réussi à neutraliser leur influence. Nous avons des agents sur tout le globe. Mais il y a 3 jours, la Légion Noire a détruit notre principal satellite. Et depuis, ils veulent Mantera. L'origine de Mantera est aussi ancienne que le monde. À l'aube de l'humanité, l'essence de Mantera était déjà présente. Elle contrôle l'énergie de l'univers. Certains l'appellent Dieu, d'autres les anges. Le mal veut s'approprier son pouvoir. Mais on dit que la clé du paradis et de la terre, ainsi que la clé de Mantera, réside au fond de l'âme la plus pure. Accepteriez-vous de travailler avec nous, main dans la main, de développer Mantera pour le bien de l'humanité et aussi la sécurité de cette planète? C'est ce dont je rêvais, en la fabriquant. Échappé? Vous avez laissé l'Alliance de Lumière vous la prendre? Bande d'abrutis incompétents! Allez, en Malaisie! Et ramenez-moi ce prototype immédiatement. Transmission
terminé. La clé, c'est le gant. Les circuits agissent sur l'ADN de celui qui le porte. C'est un vrai cyborg. Mais ça ne marche pas avec tout le monde. Le casque analyse les données de son environnement et modifie l'exosquelette en fonction. J'ai reconfiguré le viseur pour avoir une vision en streaming. Donc, tout ce que verra Azman, nous le verrons aussi. Azman, tu es prêt? Wow! Transmission des codes. De 40. Tenez. Et gardez la monnaie. Merci. Bonne soirée. Hé ! Grouillez-vous ! Allez, c'est lui ! Chopez-le ! Hey, tire ! Grouille ! Ne perds pas ! Hé, où tu cours, Azman ? Plus vite, allez ! Pousse plus, enfoiré ! Et on veut juste s'amuser avec toi. Tenez-le. Doudou, le geek. Et bouge pas. Tu vas adorer. Et Josh, donne-lui une leçon. Alors, le geek, tu te prends pour qui, hein? Vas-y. T'imaginais un peu plus costaud que ça. Tiens, bois. D'un seul coup. Oh. Merci. Oh. C'est du pipi. Bois tout ton gobelet. Oh. Ça soulage la douleur. Des petits voyous. Ils n'ont pas la moitié de ton énergie, jeune homme. Crois-moi. Ma moto! Ma moto! Oh, détends-toi. J'ai laissé ma moto là-bas. Je m'en suis occupé. C'est ta famille? Oui. Elles sont les deux victimes d'hommes monstrueux. Mec, tu crois que tu pourrais m'apprendre ça? M'apprendre à donner des coups? Pourquoi? Pour
que tu te venges de ces trois petits voyous. Je veux apprendre à me battre pour avoir le pouvoir de mener mon propre combat. On verra. Un jour, peut-être. Pour protéger les autres. Jamais en colère, tu n'attaqueras. Car tu ne seras pas avisé. Défendre la vérité et protéger les faibles, alors tu sauras frapper. Toujours tes ennemis attaqueront en plus grand nombre. Ce n'est pas le poing qui doit démarrer l'action, mais ton esprit. Quand tu as compris ça, tu useras moins d'énergie à te défendre et tes attaques seront puissantes. Quand ta frappe est bonne, quand tu as pris un coup d'avance sur ton adversaire, il faudra alors saisir ta chance. Et à cet instant, le poing de la vérité te servira à détruire le mal. Excusez-moi, vous avez vu ce gars-là ? Lui ? Il est parti par là. Par où ? Oui, il est parti dans ce sens. Ah ouais ? Asman, il y a des mecs qui te cherchent en fac. Amène-toi, ok ? Calme, monsieur Asman. Votre moto est en sécurité. Excusez-moi, monsieur Asman. Le casque aussi, on va le prendre. Et le gant, évidemment. Unité récupérée, colonel. Signal perdu. Mission Archange compromise. Moto perdue. On abandonne ? Bien reçu. Grouille, monte dans la bagnole. Dépêche. On abandonne. Négatif. Oubliez la moto et suivez le garçon. Allez, grouille, plus vite que ça. Je fais ce que je peux. Plus vite. Accroche-toi. Wouh. Regarde. T'as vu ce truc.
Qu'est-ce qui s'est passé? Non! Ça, c'était mortel. Retour à la base. Non! Arrête de non faire le beauf! Ne me touche pas! Non! Nous avons effectué quelques modifications. Nous avons une surprise pour vous, arrivée par avion. Code 12. Bonjour, colonel Heyman. Elle est étonnamment en excellent état. Superbe! Vous n'avez pas abandonné. Les personnes qui l'ont monté ont fait un excellent travail. Il s'appelle Azman, un génie informatique de 16 ans. Mantera s'est auto-configuré avec son ADN. Modification en cours. Conversion des nouvelles données. Bodykit CBR. Maintenant, nous devons transférer la même signature ADN dans la nouvelle Mantera. Transfert identité de l'utilisateur aux nouvelles hôtes. Incroyable! Tout ce qui nous manque, c'est le garçon. Transfert terminé. Nous interrompons votre programme en urgence pour regarder les news. Il semblerait qu'un engin, probablement d'origine extraterrestre, soit apparu dans le ciel. Il aurait survolé la Malaisie. Selon le commandant de l'armée, le vaisseau se serait emparé de quelqu'un ou de quelque chose. La Légion Noire et nos alliés sont de plus en plus impatients. Vous savez que nous ne tolérons aucun échec. Mantera s'est déjà connecté avec l'ADN de ce garçon. Vous avez 24 heures pour me les rapporter tous les deux, ou je ferai verser votre sang. Azman, monte. Monte. Hey. Allez, vas-y, monte. Il y a une femme qui voudrait te parler. Monte. Une femme? Je t'en prie, monte. Mais quelle femme? C'est Monsieur Weston. Allô? Je vous entends enfin, Monsieur Azman. On m'a parlé de vous en bien, en très bien même. J'ai l'intention de vous offrir un travail extrêmement lucratif. Et je ne vous parle même pas des bonus que vous pourrez dégager. Choisissez. C'est pour Monsieur Weston. Comme vous le voyez, nos employés sont traités comme des princes. Elle vous plaît? Je vous prie de m'appeler personnellement si vous avez besoin de quoi que ce soit. Oh, s'il te plaît. Voici votre contrat. Je reviendrai voir si tout se passe bien. En attendant, faites comme chez vous. Il a signé le contrat ? Pas encore, mais il le fera. Le temps presse. Nous avons besoin de lui pour localiser Mantera. Croyez-moi, Monsieur Weston. Tout se passe à merveille. Et quand il verra le petit cadeau que nous lui avons laissé, il sera tout à vous.
Azman, bonsoir. Maddox. Hey. Comment ça va? Ça fait un moment. Ça va bien. Et toi? Ça va. Tu fais quoi de ta vie? Il m'est arrivé un truc de dingue aujourd'hui. On m'a proposé un job chez Western Tech. Ils m'ont offert le poste de programmeur en chef. Et plein de stock options. J'ai même pas commencé qu'ils m'ont déjà donné un tas de trucs. Des fringues, une maison et une moto d'enfer. Tu sais, je crois que tu devrais te renseigner sur eux. Dans ce monde, jamais rien n'est gratuit. À plus tard. Salut, Dina. Salut. Alors, à part la pizza, pourquoi tu te traînes par ici? Bah si, je viens pour la pizza. Tes pizzas sont un vrai régal. Et j'en veux une. Ok, pour toi. Tu pourras en faire une petite pour lui. Super. Cool, j'ai hâte. T'as raison. T'as vu Azman récemment? Le blême. C'est qu'on lui a pris sa moto, alors Azman est un petit peu sur les nerfs. Tu vois le genre? Je vois, ouais. À mon avis, il prend du bon temps avec cette femme. Hé, hey, Dina, c'est Azman. Tu décroches, j'ai une pizza dans le four. Allô? Azman? 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 Azman. Maddox, dis-moi ce qui se passe. Tu dois partir au plus vite. Pourquoi? Tu cours un grand danger, crois-moi. Comment ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est l'Alliance. Quoi? Il faut que tu partes avec eux. Ils sont là pour t'aider. Fais-moi confiance. M'aider avec ces armes? Mais qui sont ces hommes? Qui es-tu? Pas le temps de t'expliquer. Azman, regarde cette voiture! Ils viennent pour te tuer! C'est mon employeur! Vas-y, Azman! Dépêche-toi! Non, lâchez-moi! Thank you.
Bonjour, Asman. Ne le touchez pas, stop. Tout ira bien. Tu es en sécurité. Je suis ton ami, fais-moi confiance. D'accord. Nous n'avons plus le choix. Nous le tenions et l'Alliance nous l'a pris. Il faut déployer les Vegas de la division Mégazoïde. Je vais déclencher le programme et activer le groupe des kamikazes. Voici le colonel Eman. Asman, vous êtes un jeune homme très spécial. Bienvenue. Vous devez comprendre que la Légion représente une véritable menace et que l'alerte est maximum. Mais pourquoi veulent-ils Mantera ? La prédiction annoncée à l'humanité il y a 1500 ans par l'homme le plus avisé du monde dit que Mantera viendra au bout de toutes les forces de la Légion. Et donc, où en est-on ? Eh bien, nous allons vivre un instant critique. La Légion rassemble ses armées contre nous pour prendre le contrôle du monde. Nous avons effectué quelques modifications sur votre moto. La nouvelle Mantera. Mantera. Space Tech 1 en attente. Activation du programme Mission Kamikaze. Initialisation des Vega 13, 14, 15. À 6h00, notre espace aérien a été traversé au nord des Émirats. Colonel, on nous a signalé l'atterrissage de 3 capsules robotiques à 3 km au nord d'ici, mais elles sont vides. Le périmètre est en train d'être sécurisé par nos hommes. Ça veut dire que la Légion a réussi à traquer le signal de Mantera jusqu'ici. Colonel, vous devriez regarder ça. C'est pas
véritable machine de mort automatisée. Ça devient dangereux. À vos postes. Nous avons une brèche dans la sécurité secteur nord, sur l'écran. Maintenant. Activez périmètre de défense. Monsieur, les Vega ont identifié l'entrée secrète de l'Alliance. Pouvons-nous lancer une attaque Rayon Z? Autorisation activée. Prêt pour l'attaque. Ça y est. Cible verrouillée. Prêt à faire feu. Allez, messieurs, on donne tout! Monsieur, nous venons de perdre Vega 14. Cabine de secours. Emmenez-les dans la seconde base. Est-ce que le générateur est encore fonctionnel? Actif à 40% selon le processeur. D'accord, bien reçu. Activez le protocole 6. Action. Fonctionne avec Asman? Nous avons des problèmes de connexion. Rétablissement. 3, 2, 1. Les Vega en auront après vous. Éloignez-vous du complexe maintenant. Et assurez-vous qu'ils vous suivent loin d'ici. Soyez prudents. Ils ne pourront pas trouver vos arrières. Trop tard. Ne vous inquiétez pas. Ils sont plus gros que malins. Ce ne sont que des machines. Ils n'ont pas de cerveau. Super nouvelle, merci. Est perdu, j'essaye de réparer. Le nageur est prêt? Je m'en occupe, colonel. Initialisation de l'exoprogramme. Major. Ramenez Asman en un seul morceau, quoi qu'il en coûte. Et bonne chance. Ah.
sa séquence d'autodestruction. Le Vega va s'autodétruire. Sortez de là, immédiatement. Derrière toi. Maddox. Maddox. N'oublie pas, Hazman. Rien ne meurt jamais. Maddox. Est connecté. Viens voir ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est sûrement pas un jeu. Ça se passe vraiment. Excuse-moi, tu peux mettre sur la 2? Oh la vache. J'espère qu'il est aussi bon que sur l'ordi. Impossible. Ça dépasse toutes les lois de la physique. Voici la bataille. Thank you.
Vas-y, vas-y. Mantera. Ouais. Mantera. 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 Asman, seul le point de la vérité peut détruire le mal. Mantera, 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 Asman? Asman? Mon maître, nous avons perdu tout contact avec les Vega. Les trois unités sont signalées détruites. Ceci est extrêmement décevant. Déclenchez le largage de tous les robots Vega restants. Et cette fois, nous devons détruire Mantera.
Ku tak pernah berdusta. Oh.